Bonjour président Gustave. Oui, bonjour mon ambo. Président Gustave, mes collègues, ceux qui vont en être endoyés, mon ambo Gustave, c'est qui dit comme on est, eux comme les qui mon ambo Gustave, ceux qui vont en être endoyés, je pense à l'idée sortie médiatique, mais mon ambo capable pour des presse, au speak bayimbo à Congo, les bougons dans les médias, ils font dans les camounini. Merci beaucoup. Et là que ça là qui que n'abonga dans les médias, ils allaient n'abella qui, j'étais vraiment sérieusement malade. Et maladie wana esenga ki que basala intervention chirurgicale, donc j'avais subi 4 interventions chirurgicales avec coupure intestinale, donc Dieu a fait grâce, na s'est rétabli, bien que naza on a repos médical, mais en tant que politicien je me disais que na roi koti ka vidité de peur que les gens interprètent mal absence nangai na média, mais il fallait qui quand même Nasa là, je dirais retour Nangaï. Na niveau des médias, j'ai commencé par un point de presse et aujourd'hui, Nazali face ya Congo Live, ba abonné Nanga tout, pe bato nyonso bolinga ka Gustave Lutumba. Je suis là, je suis toujours en vie. De l'autre Kolobela, ono se sengeli Kolobela, na pesibi nyonso bambote ebele makasi. Mon mboka, so comme tu as dit pas de presse, aussi reconnaître pas de presse na kati ya mikuyu tsuleka. Ah, ça y est pour na Kolobela ni mon mboka, na pour tout ça pour quoi lelo. Oui, en tout cas, point de presse na ngai ezalaki au moins na 4 points clés. On a lingaki Kolobela, d'abord il fallait qu'il explique na batu pourquoi est-ce que Nazalaki un peu absent pendant un long moment dans les médias et aussi dans l'activité politique. Nazalaki vraiment les sous-soutés. Et puis, de deux, Nazalaki a retracé la situation politique actuelle dans le cadre de Yambo Kanabiso. C'est ce que j'avais fait. De trois, il fallait que Nazalaki ait une recommandation parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et parmi les recommandations pour des chapeaux, Namoni juste quand après deux jours comme ça, certains éléments commencent à bouger. J'ai dit gloire au Seigneur. Et aussi, quatrième point, Ezalaki ko fixer bateau hein, sur ma position parce que Bato Belé, tant que Jean-Marc Kabound a benganamaki na parti, en tout cas, Bamonaki Bisso, tout ça qui na groupe ya bateau, même d'abord Ngai, Nazaki na équipe ya bateau, Oyo. Bazala qui beaucoup plus que parler en faveur de Jean-Marc Kabound, c'est-à-dire je n'étais pas d'accord na bato bandai ko agresser et après un moment donné et ko sala que il a été suspendu na kati ya parti irradié et on ne pouvait que se soumettre à la décision parce que c'était la décision ultime du parti en tant que cadre, alors il coïncida qui quand même que Nathan on a pe Nazala Kobela. Vu que Nazalaï ko s'est manifesté, il y a eu un questionnement ébélé, na batu ébélé, ba mituni mutuna, est-ce que Gustave Lutumba a toujours na IDPS, a longo IDPS, a landé Jean-Marc Kabound, il y a des gens même qui m'ont appelé au téléphone, et surtout tant que ba comme on a les deux collaborateurs nanga, les deux petits, on a Zala qui na bango, ba changé position na bango, il commençait à attaquer certains cadres du parti. Comment qui directement nos positions contre le chef de l'État, alors il était question de fixer bateau, c'est ainsi que na 4 points où ils avaient qui prévu na point de presse, ils avaient qui pe na point où il y a fixation sur ma position et j'avais bien dit à tout le monde que je suis à l'UDPS, je le mets à l'UDPS. Nous avons connu plusieurs secrétaires généraux au Baïa na quatre parties, certains nous les avons nous avons même chanté pour eux, certains nous les avons accompagnés avec nos propres moyens. Maintenant, on va longwa na IDPS, tutikala na IDPS, tutikala ko longwate. Donc c'est ça l'esprit. Il y a IDPS, les hommes passent, mais les institutions restent. Le secrétaire général passeront, mais l'IDPS restera toujours. Merci beaucoup. Le secrétaire général passeront, l'IDPS restera toujours. Tout côté intéressant pour la bise, pour la lélo, mon amour, tout ce moni. Là, il y a force armée FARDC mon amboka ni kulubina ni mon amboka pas tout ça ngamalam ou FARDC ici pour ça va y rebelle
nangambo bomo ya musika na mboka ya Rwanda boni buta ko kisa musika onde yimo na mboka. En tout cas na lati yango boye pona ko yebisa bango ko je suis de cœur avec eux nazali ko partager je dirais ba douleur au bazali ko ressentir parce que qu'on ne vous trompe pas, la guerre n'a pas été une joie, la guerre a été une douleur. Donc bateau bazali na kata front parce que mamsu ba otambola ba kilomètre mulai a deux fois ba koza na mai ba koza na biloko ko lia tamsu tin ko lia ngo ezalite bazali ampete bazali ko bunda pona ko luka ko pesa ba kongole na biso ya parti ya est kimia oyo esengeli na bango ya ondo monitina oyo na lateli elamba oyo pona ko lakisa soutien na ngape attachement na ngai na forces armées de la République démocratique du Congo et aussi ko encourager bango na ba frappe au bazali ko beta mikolo o na ba rebelle ya M23 en complicité na ba militaire rwandais parce que c'est un secret des polichinelles tolobaki ya touro makamba ko balbutie exacte moya kambu ya ko tia mai na munoko ezalite. On doit dire les choses telles qu'elles se présentent. Mais lelo o nous sommes tous d'accord. D'ailleurs j'ai entendu commission à l'Union africaine ko benda Rwanda matoi et aussi ko parler na ba rebelle o ya M23. Donc c'est-à-dire le oyo le M23 toyo kaka banda kala ke bazala ka appuyé par l'armée rwandaise ou par le Rwanda. Tu sais que bonbo bo ki se yete ma ke armée rwandaise mli na zala. Non, na lobby tozali ko accuser avec de préval appui. Il y a eu des soldats rwandais oyo ba soldats na biso ba bomi bango kuna na est. Dernièrement il y a eu une dizaine de militaires rwandais oyo bakanga ki bango bazala ki en vie bien que Karega l'ambassadeur là voulait démentir. Karega ambassadeur rwandais ko senga na Christophe Lutundu là, pourquoi n'est pas ko bengana vraiment ambassadeur wana parce que tina na yeto zo mona na kati ya Congo ezalite tant ya fani na kati ya Congo il pouvait peut-être transmettre message na mboka na yepo na koloba que présence na biso na sima ba M23 eza ko chanté population congolaise. Alors le kola bango yazali koloba te c'est que bazali ko koba na complicité na bango ensemble avec certains militaires et certains notables oyo ya ba congolais bazali na sima ya M23 na en complicité na militaire rwandais pour tuer nos frères congolais ainsi que nos sœurs congolaises. Cette fois-ci biso tolobi to boy to telemile makambwana le Rwanda sokazali ko continuer boyer, on doit frapper aussi le Rwanda toroti que la tenté parce que Rwanda c'est un petit pays comme ça. Ce qui a dali ko respecter ba citoyen congolais te biso pe to respecter te alors to senga na armée na biso ko côté la et to senga biloko ya Ukraine so re ko senga ke no biso tout aussi mba matuza to aussi mba nduki to ko simba yango pour l'intégrité territoriale ya République démocratique du Congo. Te sigi po yo ka mona mboka je sais pas Paul Kagame ainsi qu'au fond de la République démocratique du Congo na ba instance internationale pour la violation il y a droit de l'homme qui au moins qui combat ta va arme mitraillette côté tina dans la province la Katarwanda et surtout mon bayi mboka Rwanda belé mon mboka na lobby Rwanda to sala na bango na CIRGL na Katama solo to tu peux rosa na bango ensemble na AEC to beta kakuna respect ya ba frontière pourquoi biso to protéger ka ba frontière rwandaise. Mais Rwanda a protégé la frontière en Abissouté pour Nanine. Vous pensez que au Congo ici, pour votre information, on a la Zalana Congo Brazzaville. On a trouvé ba Hutu. Bazalana Brazzaville. Parce que bien. Na Congo a ba Hutu Bazalaka qui sont des Rwandais. Il y a les opposants aussi. Il y a le régime rwandais. Mais pourquoi pas Bissoto Armagabango pour aller semer les désordres là-bas? Tout ça la kayangote parce que tout ko ça la yangote. Mais tant Rwanda a dit qu'on se permettre ko outiller ko armer ba rebelle de M23 na ba ADF pour s'attaquer na mboka na biso et ba attaque na bango ezala ba attaque moko mortelle parce que il tue le paisible citoyen. Donc biso ce qu'il faut to fanda ka to tika ka Rwanda pourquoi parce que Kagame azali zolo mnene azala mutu gaya. Non, cette fois-ci, ce qui a fondé une instance internationale,
Selon lui, à Kolobake, non, les droits internationaux n'ont pas été respectés ou en les alliés. Mais Bisso Tuebiko, jusqu'à ce jour, nous n'avons fait que poursuivre et pourchasser les rebelles M23. Ce qui m'a kimeli nanzela na bango est arrivé que Bisso bango bazo kimela wana to beti bango roquette et côté li bango et bomi bango pe bomi na ba citoyen mususu Rwanda o bazakuna oui to bango pe a l'air zam mais to yebisa na Rwanda na ba Rwanda plutôt et aussi na Rwanda botika kozala sima ya M23 parce que cette fois-ci nous n'allons pas céder. Serait ce que ton côté la M23 tibisran sur qui nous battons, mais on a négé bango basalaka. Tant que Moïse Kabila côté A, na 97, on a dit que Zelanzela bandai koya le militaire rwandais tuer le rwandais ou tout au basalaka na kati ya kongo na biso A. Alors ceux qui bango bali tout ça la bongote parce que biso basalaka tourlanda ba rebelle M23 nyon soana to exterminer bango. Pour la paix et quota na est. Dveni ignore ça difficile veut dire état de siège et produit quand même une très bonne fruit. Mais na lobi état de siège na sina lobi yango banda kala mon frère et produit ça na ba bon fruit ndo monaka ba agitation na ngamba Martin Fayulu ba agitation na ba député mususu provincial est ba agitation na ba notable mususu na ba tunso ala complicité ngana ebisa rabino et heureusement Dieu asunga. Na ebisa bino que na commune na Kinshasa quelque part wana na banda okende ko fanda. Biskama ndeko kene ufana na ndeko kuta na batu oyo bazalai kusala bakabal pour semer les désordres na est. Biskama babi misambo. Mais tellement na yaka na salaka émission wana, ba une semaine après on a arrêté tous ces gens-là. Ba kanga quelques-uns na bango. Ba 10 jours bien 2 semaines après mboso ayeko bete yango na assemblée nationale. Que non, il y a d'autres personnes autour de la 4e Assemblée nationale qui sont en connivence avec le rebelle. Donc, le haut état de siège et la Kisibiso, nani azali vrai Congolais ou à Lingi, Congoté, et au Karana 4e Babitumba, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a tué un commandant congolais, mais on a qui en complicité dans le rebelle M23. Donc, il y a un gars dans le biboué, militaire congolais, bah congolais à solo. Ce bon senti ka que non oh ce qui capitaine oh ce qui likilo ce qui nan azali en complicité na ba M23 bo barré parce que ce bino barré te ba go barré de bino ya ko te ka ba position na bino pour na ba barré bino bo zali na kati ya front. Voilà ce que moi je peux dire aujourd'hui. Donc voilà vraiment na zo ba yango avec amour patriotique on ne peut jamais accepter ya que armée na biso ezali une armée forte classée 10e na kati ya Afrique. Mais est-ce que ça a des fois, je dirais, des faits liées à la complicité des militaires des traîtres. On doit finir avec tous les traîtres qui sont dans l'armée et aussi qui sont dans les institutions. Merci beaucoup. On va tout finir avec des traîtres. On a traité l'Italie, ça ira, je n'ai pas de Lubumbashi, Katanga, au forum, on a dit que ça a été fait. Monseigneur. Muteba, Fulgence Muteba, ce que ça nous a bâillé, Moka politique, au Poko, Ibanini, Bahi, Katanga, Bomoko. Bonne initiative, Wana, Mona Moka, Monseigneur Fulgence Muteba. Non, initiative, Wana d'abord, Ezali, initiative, Yaro Sangisa, Banamboka, T. Oh, Nande. Oui, je vous dis, parce que sur Otali Nakati, en majorité, ce sont les hommes politiques du peu perdé. Na FCC l'ancien formant na yango ah do bangonde mtu basanga na kikuna na kati oh le chef de l'état y a cela une semaine ou bien deux semaines presque ou a outé kozala na katanga pour réconcilier les populations kasayennes et d'autres populations avec les populations katangaises. Le chef de l'État a kendaki pour nako réconcilier bango. Afandi sa ki ba notable nyonso, afanda ki ba sololi. E bon moko ezongi nakati ya katanga. Mais si ko bango ba ye, pour nako tuer esprit ya unité au chef de l'État azala ki na yango. Parce que le katanga aujourd'hui est une partie ya République démocratique du Congo. Est une province ya République démocratique du Congo. Katanga ezali province ya Rwanda te, ezali province ya Tanzanie te, parce que je vis certains Tanzaniens là-bas,
Ezali province y a bas Zambiens te. Je vis aussi certains Zambiens là-bas. Ouais. Nakati, oui, Nakati y a bas soi-disant réconciliation au Yoba. C'est loin. Mais je vous dis, je vis certains Juifs là-bas. Je vis des gens qui n'ont pas des origines congolaises, qui ont des origines douteuses, et d'autres personnes qui ont été adoptées. Oh, yo tozoa topé ça, bango ba Kongo na biso ba Congolais, ils se sont retrouvés comme des Katangé. Quel était l'objectif principal? Ezalaki, ya ko sapé ba effort, ya cohésion nationale au chef de l'État a outaki ko sala. Parce que bango ba yebiko, si y arrivait que le Kasaïen, parce qu'il y a des Kasaïens autochtones, Kasaïens ou abotama na yekuna, y a les Baluba Katanga, qui sont de Katangé, ceux qui va fandi kuna, bakoli kuna, bazo sala musala kuna, et au kepe na ba élection, élection fouti malamu, ces gens-là seront de perdants. Alors, le kola bangonde babima, le kola ba notable ya Katanga, or ce sont des voleurs, ce sont des criminels pour la plupart. Yaba Oyonios, je pèse bien mes mots, ce sont des criminels, ce sont des voleurs. Régime de 18 ans, Joseph Kabila. Jeu de preuve, yaba crime au baron basala na katamboka. Oh, jeu de preuve, yaba vol au basala na katamboka. Oh, y compris même vol, yaba minéré. Il devrait commencer par demander la population katangaise pardon. Na ndenge ba kosa bango na ba identité. Kosenga pardon na ndenge ba pia jekamine. Kosenga pardon na ndenge ba teka ba iranium libanda ba s'enrichissant na bambongo et ba pesa population. Je m'excuse. Katangaise et l'autre côté. Malheureusement, et l'autre côté, et ça l'a quitté. Tellement que c'était une complicité et affligeance, Mouteba, selon les informations. Il serait ami. Il serait ami. Je dis bien, selon les informations. Il n'est pas Nganganzambe. Il serait un Nganganzambe qui prêche la haine. Vous parlez de Nganganzambe. Ce n'est pas l'unité. La vraie unité katangaise serait de convoquer la population katangaise. Ba bengi la population katangaise na ba différentes tribus na nyonso na stade moko abibon. En tout cas to lingi kimeza na kati ya Katanga na biso ndeko nyonso aya awazo sala musala na kati ya Katanga azali congolais na biso to yamba na esengo to fonda kimia désordre ici là. Mais quand toi tu trouves que na kati ya soi-disant réconciliation na et comme il kambu selon les informations ya katumbi na kabila ba fanda na mesa ba senga na banyongo na bango liboso entre guillemets affligeance muteba. J'ai dit bien selon les informations. J'ai dit très bien selon les informations. Et sous qui wana te na kati kaka ya soi-disant consultation na bango wana. Certains ont commencé à dire que non, pourquoi batumususu bazali na misala ebele na kati ya Katanga awa bisomoro ba katangé tozali kozwa misala te. Non, écoutez, c'est logique. Comment na biso tout congolais peut quitter partout pour aller travailler partout, c'est son pays, il est dans le territoire national. Mais ce qui bien ba komi na boule ya koloba ke non. Bon, bateau, bon, travailler dans la misala, bon, qui peut pas pour terminer, mais s'ils ne sont pas des Katangais, nous devons le chasser. Donc, c'est-à-dire, vous avez l'idée, il y a sécession. Bon, l'ingé, bon, katambo, cannabis, so, bon, pèse, on n'a pas paya, et biso, tolobi, torotzi, kayangote. Torotzi, kayangote, et d'ailleurs, on a vu, biso, que, dans le sein, on a la population, nyonso, il y a les 25 provinces. Hein? Donc, Mikolo, oh, biso nyonso, il faut to kende na bagatanga, kuna to kende to zwa palea ko fouti la to fanda, kuna to la ksama, ok, non, to zan na katia mabele na biso, to na katia kongo na biso. Alors, il do wana ya mabe, ya ko kabo la ba kongole, e bimi na batu, oh, ya régime, ya 18 ans, parce que ba senti déjà que non, ba zan ba perdon. So ki ba bima tika la bongo na 2023, ba ko vote, ba ngote, alors, pona ba moussous, ba pesa ba ngon confiance, ba bimi sa ba député, ne ba yen esprit tribal, Katanga et tout, Katanga et tout. Oh, le Katangé au bazo le bawana, la plupart sont des Katangés douteux et la plupart sont de gens au yoba nyoko le peuple dans le régime au il y a 18 ans. Donc pour nanga nazo le bako réconciliation ana ezali nango un coup de paix dans l'eau. Donc et kati nango maité ezali nango pe et le remoroté, rien n'a changé. Tulandi mwa mboka Mike Mukibai ya siku
réconciliation entre Moïse Katoum et Joseph Kabila, ça va être une porte, il y a échec, il y a mon amour qui a fait un tenté ce qui est en 2023. Non, Mike Moukeba, il ne pouvait que dire ça parce que c'est un Congolais rempli d'anti-valeurs. Talaka ka parcours, il y a Mike Moukeba. Mike Moukeba, je pèse bien, mais bon, Mike Moukeba, ce qu'a zo l'andanga na lobi na Mike Moukeba, c'est un Congolais rempli d'anti-valeurs. Ah. Un Congolais versatile qui n'a pas de position fixe. Le lomonier aza awa, le lomonier aza kuna Mike Moukeba aza loko la mbisa la ndareska ma ezo tchola so pesi mbongo ale na ye. Il était avec Bisso Akei akatisi ake na ngamba Fayulu. Alongé na ngamba Fayulu akomo finga Fayulu na ngamba Moïse Katumbi. Alongé na ngamba Moïse Katumbi ko ya sus na ngamba na Bisso. Atali ke simbité la rifala razo ba kop vela beta simbité azongi sus na kati ya ngamba ya Moïse Katumbi. So ka lobi lelo ko réconciliation, il y a Moïse Katumbi. Na Joseph Kabila ezali porte d'entrée, il y a échec. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, vous comprendrez pourquoi na lobby que réconciliation na bangwana ça n'a rien à voir avec la population katangaise. C'est une réconciliation qui visait à ternir l'image, il y a unité na kati ya République démocratique du Congo, na kati on a bazota la que soki basali semblant wana te député, sénateur, alors il faut mettre le coin pour étouffer d'autres personnes. De sorte que ceux qui balobi en 2023, je donne l'exemple, Kabila Azali, candidat Nabiso, va soutenir en tant que Katangé. Voyez l'esprit tribal. Ce balobi que Moïse Katumbi Azali, candidat Nabiso, va soutenir en tant que Katangé. Voilà l'esprit tribal. Or, le loyo, Kabila était au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Katangé? Moïse Katumbi était au Katanga gouverneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Katangé? Tobete la tama boko na ba fifi masuka o bazali ko travailler. Tobete la tama boko. Na lobi. Oui, mais ma Tobete la tama boko na ba kiabula qui sont en train de travailler. Tobete la maboko na ba gouverneur wana. Moïse Katumbi n'a rien fait, au contraire. Abandaki ko yiba ba minere ebele ya ba congolais ya Katanga. Oh, atikali ko sala na yango et le côté. Donc Mike Moukeba maloba na ye ezali juste ko certifier au biso to lobby ko réconciliation wana n'avait rien à voir avec la population, c'était une carte politique au bazali ko luka ko beta, parce que vous serez d'accord avec moi, il y a certains prélats catholiques qui ont beaucoup combattu les présidents Félix Antoine Tshisekedi. Oh, bah, kokate. Alors, bah, zoluka, comment est-ce qu'influencer l'Est, ça n'a pas marché. Ils ont tenté d'influencer l'Équateur, ça n'a pas marché. Et le oh, bah, keyi, nakatanga, parce que là, il y a d'autres personnes qui ne réfléchissent pas. Il y a d'autres Congolais là-bas, mes frères Congolais, sœurs Congolaises, qui ne réfléchissent pas comme des humains. À des fois, ils réfléchissent au bas de l'échelle. Yango bazali ko manipuler bango pamba pamba. Merci beaucoup, mon amboka. Paul Liwape, mon amboka, Emingoyi. Ozaki, ex-ministre de la défense dans le gouvernement, il y a un forum, un pré-forum, un forum, bah, moi, que ça a lieu encore naturel. Mais ce que ça a lieu encore naturel, c'est une façon de dissimuler la vérité, mais la réalité est belle. Comprenez un peu. Donc, nous avons souhaité à ma famille une condoléance et belle. Et nous avons souhaité paix à son âme. Et à Kaka Katangé, et à Bango, parce que les Katangé veulent se faire le col à Bakabinde en Angola. Les Katangais veulent se faire comme un pays à part, un monde à part dans le cadre du Congo. Parce que le Congo, c'est notre pays. Quand on parle du Congo, c'est l'ensemble de toutes les provinces. Voilà, et le Congo a été en et il y a un sentiment que le chef de l'État, il faut Assemblée nationale dans le Parlement et aider pour nous bouma d'abord esprit à tribaliste ou à tribalisme plutôt ezali na Katanga. Assemblée nationale et puis ça fait vert de voter loi, c'est-à-dire dans loi on a si possibilité d'un chef de l'État à nommer ba gouverneur na ba province. Comme ça ba gouverneur wana ba tinda ba gouverneur mususu. Donc osa
Katangé batindio na Équateur, équatorien batindio na Kasai, Kasai batindio na Goma, Goma tracien batindio kuna na Katanga, comme ça et vous videz esprit et tribaliste où ils allaient beaucoup plus na bande kona biso wana. Merci beaucoup mwana mboka pour la parole ya chargé de ce que les mbayimboka. Tout bétamane musolo mke ya sorti médiatique ya mwana mboka présent Eli Martin Fayulu ou asili kou lobake asili a regretta mingi na mjour publication ya mboka kouma fils à toi de seke ina nana te ke président de la république fallait que vous mette à chadari ke fils à toi de seke mwana mboka. Non, au moment où il faut qu'il faut la loba qui déjà il fallait qu'il ait à la chadari qui Félix Antoine Tshisekedi. Et là qui ça qui déjà ba deal au bango bazalaka na yango parce que ah bien on a deal. Non, Martin Fayulu ba ko sorti Martin Fayulu azala na kinga kati. Martin Fayulu ali ala. Carte na bango ezala ki ba étouffer Félix Tshisekedi a bimanté. Yango mon biso le ko la pouvoir ya faché za nzambe to zalaka souple tant a ju pouvoir. Tu as vu comment est-ce que on avait malmené les combattants de l'UDPS. On avait malmené le Kasaïen. Bamsous koutou ba koufa, ba boma, bamsousou, bamsous ba tikala na ba defo, bamsous ba pia, ba magasin na bango, ba maison na bango, ba entreprise na bango. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi était élu président. Tout cela était dans un seul objectif, y a ko vouloir ko créer guerre civile pour na Kabila. Azo nga na kati ya pouvoir, mais carte na bango na et simbate. Yango moni lelo oyo. Yé moko Martin Fayulu aki rosala esu sou deal na Joseph Kabila. Martin Fayulu aki rosala deal na matata mponyo oyo ya fingaka. Aloba Félix Tshisekedi azo bomba ba miyibi, azo bomba ba miyibi. Loko la ba matata mponyo oyo ba yiba mbonga bukanga lonzo. Mais lui même aujourd'hui il est allé faire, je dirais, alliance avec matata mponyo. Et bakabwani na mouzitu a cause ya $500,000 bakabwani. Musique toi lobby que a koyi jamais rokende na babuzo bawana abenda na okota na bloc patriotique te c'est Kabila qui aurait débloqué cet argent là $500,000 oui $500,000 né Kaboli bango et le lo oyo Martin Fayulu a se permettre le kola azalaka na munoko moko facile hein munoko moko facile moi Martin Fayulu azali Jean yabana autant azokola maman na bango bandai ko ba trop ba bêtise maman na bango bandai ko prononcer trop ba insanité puis ba insulter za ki lokola li panango wala mnoko maman na bango ndomo ne soka telemi boye a machara moté pour insulter. Il n'a pas eu honte de qualifier son collaborateur le seul o atikala ki na yo accompagné pa lo ba ki batun so ba boyo menga na odi embela na yo muzitu abengi muzitu bololo abisoka ko dela lingana ye ko yate Etali azali bolole donc muzitu azali bolole yo azali mayele toujours talaye eloko nini oyo ya kosala na kati ya Congo na biso oyo parce que makambutu wa lobaka asa tapé na ngo ya côté et vérité des urnes essayé bana qui n'avait pas gagné les élections mobu Félix Tshisekedi sera lingato kanaye il doit se séparer avec Joseph Kabila. Félix Tshisekedi akabona na Joseph Kabila na nzela FCC parce que c'était une réalité constitutionnelle. Le partenariat Nabissona Joseph Kabila c'était un partenariat plutôt constitutionnel parce que il avait la majorité soit qu'il a minorité premier ministre il fallait mais pas na inscrit à constitution il fallait travailler ensemble pour la coalition et non cohabitation mais les lots ba député ba soit conscience bango tout ba katisi na kati ya union sacrée to kabona na Kabila mais Martin Fayulu est allé chercher Kabila pour quelle fin voilà ba tout ba lingara mbuke kende di bosote tu ebisi na peuple congolais. Tofungola misu na biso badongolo misu nyo se faut to suki sabango. Kabila n'a rien à faire dans ce pays. Manda na ese si la histoire Kabila se kenda dans le passé. Et là on a na kamwe le notable Katangé. Joseph Kabila a eko kutana na bino. Bon soyi ba sénateur na roi ko ba peut-être na cadre na peut-être ya ki sénateur hein. Akoute na baninga na ye ba collègue na ye sénateur ya Katanga je peux comprendre. So ki na cadre ya ki FCC na bango wana FCC bar Kabila et ke ba notable ba sénateur ba kutana ki na ye bazali fruit ya FCC. Je peux comprendre azali autorité morale na bango. Mais ba chef coutumier mususu ba ki okutana na ye je me demande ba ki okutana na ye na qualité nini parce que le chef coutumier ba dépendra directement na ministère de l'Intérieur. Ils sont dans le gouvernement en place. Et là, je demanderai même au ministre de l'Intérieur. Il doit interpeller. Il doit interpeller
je dirais, ces chefs coutumiers là, Baki Rosolana Kabila en tant que nan. En tant qu'ancien président. En tant qu'ancien président, il n'a pas cette influence là. Non, écoutez, il n'a pas cette influence là. Le Kabila aujourd'hui, son statut actuel est ali ya sénateur à vie. Et on allait comprendre ce qui peut être azalaka élu sénateur na katanga ke okutana na base na ye, on allait comprendre. Mabao ke okutana na qualité. Donc il y a certaines choses au point na muto sala ngo ifa azalaka zoba ndako sala ngo. Mais un homme qui a ne fils que un minimum il y a réflexe intellectuel akoyi ko sala ngo te tanenge do so papa tout mousou ces eaux noir c'est blanc que vous avez une carte que vous voulez jouer pour déstabiliser non seulement le pouvoir en place, mais pour déstabiliser l'avenir ya Congo Mobimba. To ebisi bino to koti ke la bino tenté. Bino bosala ba réconciliation na bino. Biso toza na kati ya Congo. Réconciliation et c'est ça ma kalananzela ya ba élection ya 2018. Merci beaucoup Nambo Agista de ce que je n'ai sur quelques bouteilles carburant. Vous avez un mot pour la rade en tout cas. Carburant passé, prise au matin, le lien, la ligne, transport au matin, en boca. Il cambouille, il y a des canaques d'un ministère hydrocarbure en boca. Non, les cambouilla, eux, les canaques ministère hydrocarbure, j'aimerais vous dire que le ministre n'a pas de problème parce que les Congo, c'est les Congo qui a des problèmes. Depuis la nuit des temps, tu produiseras pétrole à l'internet. Quand on va coproduire, c'est-à-dire on ne raffine pas. Engo et bimakali banda pour nous qu'on décoze la raffiner. Et les Congo te dépendent du cannabis beaucoup plus. Na rosombara ba carburant libanda, to sombara ba carburant en grande quantité. Na bamboka libanda, dengue pe ba payer bele sombaka. On va Congo Brazzaville pe ba sombaka. Gabon bien que azali na pétrole et bele, mais à sombara pe pétrole pe libanda au besoin. Ba Cameroun pe ba somba ka ndenge pe moro pe biso te kenda ko somba mais eloko e ko sala na minute o ke non carburant e comme un peu difficile ezali problème international voyez donc to kolé ngo na ministre ya hydrocarbure to kolé ngo na gouvernement ya fachité donc ezali suite ya guerre ya Ukraine au moins na ba pays lokola ba France ba pays lokola ba Allemagne bazako pené et ceux qui bango bazali bien organisé batali avancer na technologie akala bango ba raffiner akutu ba carburant et outa na ba pays mususu bazali e amoko kemba pona carburant plus forte raison biso République démocratique du Congo to somba ka carburant libanda et lokwe dali ko sala transport et matezali mutema mabe ya ba congolais biso moko to sala ba demi terrain ndenge to lingeli na biso carburant et matité mais mazout donc gasoil né est comme un peu rare stock auto za ki nango est un peu rare selon ba dire ya ministre Didier Boudimbou dans 2 jours donc je crois ça a été dit hier donc dans 2 jours c'est à dire na yebiska na ministre ya transport au salarien chéri bien au kende au salarien ayo rien parce que on a canara pas ensemble non pas kazali mutu ensemble yende mutu faire ça la réglementation ya ba transport. Il y a des gens qui ont fait des ministres des hydrocarbures. Il y a des gens qui ont fait des demi-terrains. Il y a des gens qui ont fait des demi-terrains. Parce que le transport course normal est essayé depuis l'hôtel de ville. Et il y a des gens qui ont fait des demi-terrains. Au Gombe, le transport est à 500 francs. 600 francs est à la transport normal. Donc, on a un transport privé plutôt. Et 500 francs est à la transport. Oyo il y a l'État 500 francs mais au moment na batumusu ba komo kotia 1000 francs na ndenge na bango mutumusu kotia 1500 francs na ndenge na mutumusu kotia 2000 francs pourquoi parce que l'autorité provinciale est incompétente et le ministre national des transports aussi est incompétent donc ba sundo la bo roana que non ba congolais ba mi débrouiller na ndenge na bango c'est ce qui fait mal aujourd'hui. Voilà ce que moi je peux dire. Gentilin Gobila, si cela ne dépendait que moi, il ne serait jamais gouverneur dans cette ville province de Kinshasa. Mais il ne serait jamais. Nalobi, il est incompétent. Qui? Je vous dis, Gentilin Gobila, il est incompétent. Merci beaucoup, mon amour. Maintenant, je vais faire Zani, je vais te reporter mon nom, je vais te reporter mon nom. 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 Kobela donc dans 6 mois il y a Palestine donc 6 mois il répond à parler
nao bimate et mon enfant de nabi et un chômeur a juste sous 6 mois répondre à quatre sa palais. Mais Dieu est là, nous félicitons bah fort il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na niveau de diplomatie azali kobeta pour stabiliser la République démocratique du Congo. Coup de chapeau les sous na va faire des na biso na sengi na ba congolais nyonso to soutenir bango et particulièrement bande na biso ya est na sepela ki na geste oyo ba weyo ba sala ki ya Goma. Donc bah aujourd'hui on a Damas, on va qui est ravitailler bah militaire na biso guerre et bon rendez boy exemple moko ya kito coup de chapeau na bino bah weyo ya est. Na pesi mbote na prof Kazadi Mukuna bisiko zali mbote ne bele na pesi mbote na mama Bijou Lekano na pesi mbote na Yokason mon ami na pesi mbote na Blanchard Kabala na bosente ko pesa mbote na l'excellence Nicolas Kazadi l'homme à la performance financière donc le lo oyo ceux qui mbongo ezo kota meke na kati ya Congo c'est parce que nous avons je dirais un Messi à la fois un Ronaldo financier Oezali Nicolas Kazadi Bambo Tebele na pesimbote na Didier Boudimbou na pesimbote je dirais na ba congolais nyonso balingaka Gustave Lutumba plus 243 89 457 33 88 plus 243 989 703 à la fin wana ba numéro nanga pour onyonso balingaka kobenga na pesimbote Tebele na le secrétaire général Augustin Kabuya. Je dirais l'homme managérial na pesio bambote ebele na ba oyo peut-être va penser que Gustave Lutumba silence na ye oyo to komona na ye ote ezalaki que ezalaki expression ya ye kolonga na IDPS na longo IDPS te et puis nazali koloba lelo na ba oyo so bandor penser peut-être que non Gustave pouvait quitter l'IDPS na mina mino winga na longo IDPS te bino de bolonga IDPS boroti kangai. Voilà, on a coquille Koloba, il y a Ngoana. Merci beaucoup, Nambouga. Merci beaucoup.